C'est bon, ce côté est fait. Bon, c'est vraiment un marathon, c'est chiant et physique. Et il me reste plus que ce pan à faire. Alors on voit qu'il y a plein de petits bouts qui sont tombés. Il y a le vent qui faisait bouger le pare-pluie et qui a sorti tous ces blocs de leur emplacement. Donc je vais les remettre au fur et à mesure que j'installerai les autres couches qui viendront tout caler. Alors ce couteau il marche pas mal, mais sur des grosses épaisseurs c'est quand même très physique. Et moi ce que je fais, comme vous avez pu le voir, c'est que j'arrache. Alors quand on découpe c'est plus propre, mais c'est beaucoup plus physique. Et quand on arrache, ça reste quand même un peu physique, beaucoup moins. C'est plus rapide, mais c'est moins propre. Parfois ça part un peu en cacahuète. Si jamais vous en faites, j'ai découvert une technique, bien sûr vers la fin, sinon ce serait pas drôle. Donc si jamais vous en faites, peut-être que je peux vous donner un petit conseil. Donc là, je veux découper cette partie-là. J'ai fait ma mesure ici, on voit le trait. Donc j'amorce une découpe sur le dessus, juste à peine. Ensuite, je passe plusieurs fois le couteau pour un peu déchirer la fibre le long de la découpe que je veux faire. Je fais ça des deux côtés. Histoire de bien découper la première fibre. Donc là, c'est pas du tout physique. Et ensuite, quand je viens tirer, bah la coupe en fait est un peu guidée naturellement. Donc ça reste toujours déchiré, mais c'est quand même beaucoup plus propre. Et voilà. Là, on se trouve à l'étage de ma grange qui me sert pour l'instant d'espace de stockage de l'isolant. Elle est vraiment très grande. Et je trouve la charpente plutôt magnifique. J'ai plein d'idées pour aménager ici. Mais ça sera dans un deuxième temps.
assez compliqué, il y a un sens de tissage dans les panneaux. Il se découpe assez facilement, latéralement, mais en longueur. C'est compliqué. Allez, j'en suis à la moitié. La prochaine fois, ce sera bon. Repos.